à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un jour bien spécial. C'est enfin le vrai début des confrontations sur notre royaume, sur le K112, puisqu'on se retrouve à quelques minutes de l'ouverture des portes de niveau 5. Précédemment, on a eu l'ouverture des portes de niveau 4 où on avait eu un peu de mouvement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, je vous mets un lien en suggestion en haut de cette vidéo. Et si vous l'avez raté, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo ainsi que cliquer sur la cloche. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc au niveau de notre royaume, voilà la situation à quelques minutes de l'ouverture des portes de niveau 5. On se retrouve sur notre zone où on l'a bien cloisonnée. Au nord, on est tranquille, on va pouvoir prendre la porte. Au sud, on va être en confrontation directe avec le 1136. Ça fait longtemps qu'on se chamaille avec les Dots par exemple, et les 8000 et les Siams. Et là, on va vraiment être sur le même terrain, donc il n'y aura pas d'échappatoire. Et ça va être vraiment une bataille, une confrontation directe entre eux et nous. Donc sur cette porte-là, vous voyez, ils vont venir, ils vont la prendre, ils vont avancer. Il ne va pas avoir de soucis, ils ont deux portes. Je pense qu'ils vont prendre comme nous la porte la plus près de nous et aller à la confrontation, très probablement poser des forteresses, enfin de la stratégie classique. Sur ce flanc-là, les Dots sont assez tranquilles, ils vont pouvoir prendre cette porte sans confrontation, puisque sur cette deuxième zone-là, sur la zone Macha, ils sont tranquilles, puisque les FA ont été cloisonnés sur cette porte-là, sur cette deuxième porte, donc les FA ont que cette porte-là, mais surtout, le terrain Macha est en liaison avec le royaume 1130, donc le 10-14 et le 10-13 se retrouvent entre le 1136 et le 1130, et le 1130 sont les mieux préparés. Vous voyez, c'est ceux qui sont le plus nombreux pour le moment devant leur porte. Ils sont prêts à aller à bondir sur cette porte là et aller tout de suite en confrontation directe avec les FA, puisque sur ce flanc là, puisqu'ils n'ont pas d'autres confrontations, ils sont en alliance avec le 1136 et le 1187. Donc sur Okuri, il n'y aura pas de combat, ils sont tranquilles. Donc le 1187 sur Okuri est tranquille avec le 1130. Donc le 1130 n'a que le serveur 10-13 et 10-14 à s'occuper et peut-être aller prêter main forte au 1136 pour aller nous combattre. Ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Au niveau de la porte qui est plus au nord, donc on voit bien que c'est tenu encore, ça pas les FA ont, les FU pardon, ont pas réussi à prendre la porte. Le 1204 et le 1005 ont les deux portes au nord, et donc ils vont se retrouver simplement voilà sur ce terrain là. Les FU ont cette porte là, le 1204 n'a pas de porte pour le moment, mais il y aura peut-être un accord pour poser une forteresse avec le 1005. Et le 10-05 va prendre cette porte-là, donc pour aller sur Dimbroco. Dimbroco, c'est un endroit où nous aussi on a accès, et il n'y aura pas de conflit aussi. Donc il va y avoir des conflits dès l'ouverture sur deux terrains, donc cette prise de porte-là et celle-là, c'est cette zone-là, sur Macha donc. Donc conflit 10-14, 10-13, 11-30 et 11-36. Et surtout, je pense que les gros combats vont avoir lieu sur Kalsha, en contact avec nous. Donc le 11-64, mon serveur, et le 11-36, et peut-être avec le soutien dans un second temps, ou même rapidement, hein, du 11-30, ça va dépendre de la résistance des FA et à quelle vitesse ils vont pouvoir le 11-30 venir et faire un passe-muraille. Donc nous, on est prêt, on est mobilisé, il est heure française, la porte va être ouverte vers 7h40, si je dis pas de bêtises, 7h39 heure française. Elle ouvre dans 9 minutes, on fait une ellipse et on se retrouve juste avant. Voilà, là, on est juste avant l'ouverture de la porte, il reste 1 minute 30. On était mobilisé, tout le monde a été prévenu pour l'ouverture de cette porte. Donc normalement, il n'y a pas de souci, on va pouvoir la tomber. Encore une fois, comme pour les précédents bâtiments, les précédentes portes, hein, l'enjeu est de montrer qu'on est le plus fort et qu'on est mobilisé. Et donc il va y avoir un enjeu du premier qui va donner sa porte. Encore une fois, c'est vraiment un signal. Là, en tout cas, sur le petit tour qu'on a fait pour aller voir tout le monde, les plus mobilisés semblaient quand même le serveur 1130, disons les plus nombreux. Je ne connais pas le fuseau horaire du 1130, mais en tout cas, c'est eux qui paraissaient le plus nombreux pour le moment. Nous, le raid va être lancé classiquement, comme d'habitude, par Napoléon. Napoléon et ses 280 millions de kills. Et on va se retrouver à essayer de donner cette porte une nouvelle fois dans quelques secondes, dans 45, 43. On active un buff.
Encore une fois, on fait toujours comme cela, on active le buff pour augmenter les dommages et down cette porte le plus vite possible. Dès que le bouclier va tomber, je vais envoyer un éclaireur pour vous montrer ce qu'il y a dans cette porte-là. On devrait être dans du classique, on devrait être sur du 2 millions de troupes, 2 millions et demi de troupes. En général, les portes sont protégées comme ça. L'avantage de cette porte-là, de niveau 5 par rapport à une porte de niveau 4, c'est que c'est la première porte qui n'est pas semi-protégée. C'est-à-dire que si on s'approche d'une porte de niveau 5 d'un adversaire, on va pouvoir la prendre et aller sur sa zone 5 à lui, sur son terrain, et le repousser totalement dans sa zone de départ. Donc voilà, dans une seconde, voilà, la porte est ouverte, on envoie tout de suite un éclaireur. Le raid chez nous devrait partir d'ici quelques secondes. Hop là, je l'attends. Voilà, le raid est parti, on y va tout de suite. Et on va se retrouver. J'envoie une troupe tout de suite de la cavalerie. Elle était déjà prête. J'étais à côté. Toutes mes troupes sont sorties et je suis prêt à en découdre et à combattre. Et de l'autre côté, on va attendre maintenant. On va voir ce qu'il y a dans cette porte-là. Voilà, mon éclaireur est là. Donc on a 2 millions d'archers dedans. Bon, voilà, ça reste 2 millions d'archers T5. Des archers royaux. Les barbares ont des archers royaux. Donc la classe quand même. Un petit condition de rage 3000, des dégâts supplémentaires. Encore des dégâts pour handicaper la cible. Vous voyez, on est au bon classique. Toutes les attaques normales, 10% de chance de soigner 1% des unités. Ça aussi, c'est du classique chez les barbes, chez les portes comme ça. Et 5-20% des unités. Donc vous voyez, sur cette porte-là, en revanche, il n'y a pas de timing. On peut mettre autant de temps qu'on veut. Toutes les troupes, comme les précédentes portes, ne sont pas heal au bout de 6 minutes, par exemple. Donc là, on a tout le temps. Ça va être juste. Il va falloir être rapide, simplement, si on veut être les premiers à la down. Donc voilà, donc on y reste 5 minutes avant que le raid parte. On va voir de l'autre côté ce qui s'est préparé. Donc cette porte-là va être prise par les Dots, donc ils vont nous attaquer par cette porte-là, ou du moins ils vont sortir pour se battre avec nous par cette porte-là. De l'autre côté, les FA sont prêts aussi, hein, sont prêts à aller prendre leur porte, comme on l'a vu. Hop! Voilà, vous voyez, il me propose de simplifier les graphismes, hein, ce qui montre, il me l'a pas proposé pour les autres endroits, ce qui montre que c'est vraiment ici qu'on a le plus de troupes. Hein. Donc c'est le serveur 1130 qui est vraiment pour le moment devant la porte le plus mobilisé pour la prendre sur cet horaire-là. Sur les autres portes, vous voyez, il y a tellement pas d'enjeux et tellement pas de bagarre qu'il n'y a même pas de troupes. Parce qu'il n'y aura pas de combat sur cette zone-là, ils sont tranquilles. Pareil, les FU sont tranquilles, ils sont pas pressés. Pour la prendre juste pour sortir et avancer, mais il y a vraiment pas besoin de se précipiter. Ils n'auront pas de combat par derrière, ils n'ont pas besoin d'avoir une multitude de joueurs, si ce n'est suffisamment pour tomber la porte. Et encore, c'est pas très compliqué à tomber cette porte dès le moment où vous avez une alliance assez costaud et DL5, DT5, pardon. Donc, on va faire une nouvelle petite ellipse et se retrouver un peu plus tard, juste avant que la porte tombe. Voilà, la porte est presque down. Nous n'aurons pas, comme vous le voyez, félicitations, le premier down, puisque en fait, au niveau de la zone Macha, les deux premières portes ont été prises par le 1130. On l'a vu, ils étaient très mobilisés, très présents. Donc, c'était pas vraiment une surprise. GG à eux parce qu'ils ont fait les deux premiers downs des deux premières portes. Donc, ils ont été plus rapides que nous sur le coup. Ils ont dû, j'ai pas regardé, j'ai pas vu le down puisque j'étais occupé sur ma porte. Mais ils ont dû swarmer beaucoup. C'est-à-dire qu'en plus du raid, ils ont dû taper les portes directement. Avec des troupes et pas que des raids, ou sinon envoyer deux raids dessus, mais je crois qu'ils étaient en contact avec une seule alliance, ou tout simplement plus de puissance sur le coup. Donc encore une fois, GG à eux pour ce first down. On avance tout de suite, nous, vous voyez, donc on la down, et tout de suite, donc on avait fait la troisième porte, donc, et tout de suite on sort, et on se répand partout. Le but pour nous est de poser les drapeaux et d'avancer vers l'ennemi. Alors je vais un peu encore une fois faire une ellipse sur cette zone-là, puisque il va pas avoir de combat. On est vraiment sur une zone où on doit avancer vers le terrain ennemi, poser une forteresse et se positionner pour bien attaquer l'ennemi et aller au contact avec lui. On va avoir deux choix de stratégie qui vont s'affronter, la nôtre et celle du serveur 1136. Puisque vous le voyez, nous on a activé le buff et on pose des drapeaux en cascade pour aller vite occuper le terrain et couper la route au serveur, bien évidemment 1136, et surtout aller au contact direct avec eux, avec les drapeaux qu'ils sont en train de poser via leurs différentes alliances. Alors que les Dots, eux, comme vous le voyez sur le côté, ont décidé à un endroit très pertinent, vous voyez, ils ont très bien choisi l'endroit,
Là, bravo à eux. On voit, ils l'ont posé tout encerclé d'eau avec une seule entrée au nord par un petit pont et sinon faire tout le tour par le sud. Donc c'est vraiment bien joué parce que là, ils sont bien protégés, ils ont bien étudié le terrain en tout cas pour poser cette forteresse et bravo à eux. Donc ils ont décidé, eux, de poser tout de suite une forteresse plutôt que d'abord poser des drapeaux comme on le fait. Et on voit les AJLT qui ont posé là au passage une forteresse collée, mitoyenne, sur leur zone qu'ils occupent, Macha, et la zone que nous on occupe, puisqu'ils vont peut-être essayer de jumper pour venir au contact avec nous. Là, on voit que les portes sont toujours pas prises, hein. Ils sont vraiment détentes, ils sont pas pressés sur cette zone-là, parce que c'est une zone qui est vraiment sécure entre eux et nous, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez là, les AJLT juste au nord, on vient de les passer, on va revenir dessus. La zone. Là, l'erreur que fait le 10-14, enfin l'erreur de mon point de vue, ils devraient en profiter pour attaquer les dots. C'est le moment, ils vont être occupés à construire, ils vont être occupés avec nous, ils devraient essayer d'attaquer les dots. Plutôt que se concentrer peut-être ou prendre rapidement leur porte et après le 10-13 comme le 10-14 se construire sur les autres. Mais c'est vrai qu'ils ont subi quand même de longues journées de bataille avec eux déjà. Donc c'est normal, ils doivent avoir pas mal de blessés. Donc peut-être ils n'ont pas les capacités de le faire. Mais en tout cas, s'ils étaient en capacité de le faire, je pense que c'est le moment. Il faudrait peut-être commencer à se réunir de leur côté pour essayer d'attaquer les dots tout en tenant la porte, mais pour ça faut de la mobilisation. Donc on le voit, on revient sur notre côté, sur notre zone, la petite zone Cacha. On voit que sur cette zone-là, eh ben, ça avance des deux côtés. Nous on avance et on se retrouve avec nos amis, on va les appeler comme ça, nos amis sur la zone Cacha qui avancent avec nous du 11-36. On va pouvoir aller se saluer très bientôt et être en contact très bientôt. Et on va voir quelle sera la stratégie la plus performante d'avoir décidé d'abord de poser les flags ou d'abord la forteresse, sachant que maintenant on est en pose de la forteresse. Ils ont 4 heures avant qu'elle soit finie de construire, donc ça va aller vite. Et comme je vous l'ai dit là, les AJLT qui eux ont immédiatement en premier posé cette forteresse mitoyenne, qui va leur permettre peut-être de jump et de venir aider, puisqu'ils sont apparemment en alliance, même pas apparemment, c'est sûr, avec le 1136. Et donc on va peut-être se retrouver avec le 1136 et le 1130 contre nous sur ce terrain-là. Donc on va bien voir comment ça se passe, mais en tout cas, pour le moment, pour ce début de KVK, ça se passe très bien. Là, on se retrouve 1 heure après l'ouverture des portes, donc on a posé une forteresse avec la seconde alliance LES. Et on s'est déplacé pour la défendre, et tout de suite, puisqu'on reste assez près de la forteresse des Dots qui a été posée mais qui est en cours de construction, tout de suite les Dots sont montés au contact. J'arrive sur la zone et bien évidemment, je ne vais pas attendre. Je voyais qu'on commençait à se positionner, mais j'étais là. Je me suis dit, allez, on va y aller, il n'y avait pas de problème. Hein. J'étais là avec mes unités. J'avais envoyé 4 troupes complètes, donc j'attends qu'elles arrivent. Et puis on va tout de suite les pousser. Hein. Le but est de les repousser, on va pas les laisser s'installer. Vous voyez, j'attends que mon Richard arrive pour y aller tranquillement. Vous voyez là, hop, ça, il y en a un, je sais pas ce qu'il faisait là, le Siam, il s'était perdu au milieu avec sa petite unité, il envoyait des farmers, il les a peut-être envoyés il y a longtemps. Nous, on va arriver là sur cette zone et dès qu'on va être là, ben, vous allez le voir, on va tout de suite pusher pour aller au combat, au lieu d'attendre et de les laisser se réunir. On va pas perdre de temps avec eux. Je vais vous montrer le positionnement là, comment ils étaient. Vous voyez, ils se sont mis là, ils n'étaient pas beaucoup, hein. Il y avait à peine quelques unités, même pas 10 unités, donc on était en surnombre. Donc là, on était vraiment, vraiment tranquille. Et vous voyez tout de suite, là, hop là, voilà, Richard, il est là. Donc on y va. Je pull avec Richard, classiquement, Minamoto, tout le monde en fait. Hein. Puis on va bien voir. Je me suis dit qu'on allait voir comment ça allait réagir, sachant qu'il y avait une seule ville, en fait, à eux qui était là, un téléporte sûrement aléatoire. Donc même obligatoire, non pas obligatoirement aléatoire, donc on a téléporte ciblé, en tout cas ils avaient une ville juste derrière. Donc vous voyez immédiatement je les poule et tout de suite ils reculent. Donc ils voient bien qu'ils sont sous nombre. Je me suis dit peut-être qu'il y en a un qui était parti se faire un café, donc c'était le moment d'attraper ses troupes. Et puis en plus tout le monde, tous ceux qui étaient là me suivent dans le mouvement, les voyant reculer et voyant qu'on était plusieurs avancés. Donc là on va les repousser tranquillement, comme ça on va pouvoir poser notre forteresse tranquillement sans être dérangé. Pendant ce temps-là, eux, leur forteresse bien évidemment continue d'avancer également. Et vu qu'ils l'ont posée avant nous, ils auront un peu moins d'une heure d'avance. Il va y avoir 40 minutes de décalage entre leur forteresse et la nôtre. Alors on va se retrouver encore un peu plus tard, puisque là on les repousse, il n'y a pas de problème, où on a continué de descendre avec nos flags et on a lancé, voyez, la construction de 3 forteresses alignées.
Donc là, nous, on a nos trois forteresses qui vont couper le terrain Kalshan en deux. Et eux, pour le moment, ont leurs deux forteresses. Une des Siam qui a pris la jointure, la porte, une des portes pour aller en zone finale, en zone 7. Et leur deuxième, celle des Dots que je vous ai montré tout à l'heure sur l'île. Nous, on a décidé, enfin l'île, ce qui est entouré du moins du lac, enfin du ruisseau. Nous, on a décidé d'aller stopper l'avancée des Siam qui avaient sauté le mur. Ils ont fait un jump, un passe-muraille, comme on dit. Donc, on a décidé d'aller les stopper. Donc, on a envoyé des troupes. Et là, maintenant qu'on les avait repoussés et qu'ils étaient plus autour de notre forteresse, on a décidé de se placer et d'aller les embêter pour les empêcher de continuer d'avancer tout en continuant, nous, de poser nos flags là où j'ai mes troupes. On continue d'avancer et de poser les flags sur le symbole lune pour aller au contact avec eux. Puis après, on va faire une double branche pour aller vers nos forteresses et tout relier. Le but est vraiment de prendre les bâtiments. Vous voyez les cercles de vie, il y en a différents. Vous allez voir les bonus. Je vais rester sur le cercle du courage. Ça donne des dégâts totaux, par exemple, et ça aussi augmente la capacité de rassemblement de 10%. Donc en temps de guerre, c'est pas du tout négligeable. C'est comme les buffs de pré-KVK. Pareil, le cercle de défense qu'augmente les renforts de 20%, les dégâts de tour de guet de 20%. Donc là, c'est vraiment des beaux bonus. Et le premier dont j'ai passé un peu vite les bonus, vous voyez, vitesse de soins 30%, capacité d'hôpital 10%. Donc vraiment, c'est des bâtiments très très intéressants et il faut les posséder. Donc si on peut avoir les trois, on va les prendre les trois. Mais pour ça, il va falloir battre nos adversaires dans un premier temps du 11-36. Donc on descend vers eux, on les empêche. Petite phase de combat, on les repousse là, puisque dès le moment où ils sont pas assez nombreux, il est facile pour nous de les repousser sur ce terrain-là. Donc voilà, on va continuer d'avancer. Et on va se retrouver à un moment vraiment très intéressant pour les FA et le serveur Distress, puisqu'ils ont pris leur porte, mais ils n'ont pas pu sortir car il y avait le 11-30 qui était là à les attendre. Et donc maintenant, le 11-30 est arrivé au contact de la porte en posant des drapeaux. Et forcément, ils vont tout de suite essayer de prendre cette porte-là. Et donc, ils ont envoyé un raid pour prendre cette porte. Donc, ça va être l'occasion pour nous de voir comment les FA sont organisés pour tenir cette porte. Et voir aussi au combat réel, puisque pour le moment, le serveur 1130 n'avait pas vraiment eu de combat à mener. On va vraiment pouvoir voir comment ils se comportent, si au-delà de la mobilisation, ils arrivent à avoir une stratégie et une cohérence, s'ils sont suicidaires, c'est-à-dire s'ils sont capables de laisser un grand nombre de troupes mourir, etc., etc. Donc, ça permet aussi de voir comment jouent les futurs ennemis. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce genre de phase de combat. On voit que le raid dure, hein, je l'ai écourté. Je vous ai fait arriver sur la deuxième moitié du combat, mais pour le moment ça tient. Et vous voyez, le 11-30 sacrifie pas de troupes, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas au swarm là, des troupes sur la porte pour taper en même temps. Ça leur ferait beaucoup de morts à ces troupes qui iraient directement taper, mais ça permettrait, s'ils tapaient tous là, d'assurer de tomber la porte, mais évidemment, il y aurait des millions de morts pour eux. De l'autre côté, on voit que les FA, eux, savent que c'est un enjeu vital. S'ils perdent cette porte-là, bah, c'est mort, hein. Donc ils jouent très bien, ils envoient un contre-raid. Là, tout de suite, immédiatement sur le raid, on voit le contre-raid arrive, il va passer la porte. Donc là, c'est une bonne stratégie. Et d'ailleurs, le 11-30 devrait tout de suite voir ce contre-raid et attaquer. À peine le contre-raid est arrivé, que le raid du 11-30 a été disband. Donc là, ils savaient que c'était mort pour cette phase-là. Donc ils peuvent avoir le sourire. Mais ça va être un combat long et il va vraiment falloir tenir très longtemps. Donc ça va être vraiment compliqué pour les FA de tenir cette porte. Et encore une fois, ça va être intéressant à suivre. On se retrouve à 18 minutes de la fin de la construction de la forteresse Dots. Donc ça va faire presque 4 heures que les passages sont ouverts, puisqu'il est 9h45 et ça a ouvert à 5h40 UTC. 9h45 UTC, hein, bien évidemment. On voit qu'il y a des zones de conflit de plus en plus importantes et de plus en plus denses. Et nous-mêmes, on se prépare à accueillir, je dirais, les troupes ennemies qui sortiraient de cette forteresse. Donc voyons, on commence à se rassembler. Et là, il y a un premier front qui se crée. Je dirais que c'est la première bataille vraiment directe qu'on a avec les Dots sur cette zone-là, sur Kalsha.
Là, on est face à face, il n'y a pas de stratégie, hein, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de bonus de terrain. Donc on est vraiment sur du combat, je dirais, de l'open field traditionnel, où on bourrine, hein, et puis on avance, on se prend pas la tête, on envoie nos troupes, et puis ça fait des blessés graves, et il faudra faire du soin. Le but est vraiment de les ralentir, de les empêcher d'avancer, de leur faire mal, hein, aussi, puisque eux, ils ont juste leur forteresse là, et ne pas les laisser construire. On voit que les Siam ont toujours bloqué la porte, on a vu que les GLI de leur côté aussi ont posé une forteresse pour bloquer la seconde porte, donc ils essayent vraiment de nous empêcher d'avoir accès, sachant que leur forteresse des GLX au nord a très peu de chances de tenir, hein. On va aller la chercher mais plus tard, c'est pas notre priorité, mais en attendant ils construisent et ça nous fera perdre un peu de temps, et nous on est pris sur cette zone de combat là. Donc là le combat il se profile plutôt bien pour nous, hein. On est à peu près en même nombre, mais on est peut-être plus puissant qu'eux, donc on va dans un premier temps les faire reculer pour essayer de gagner du temps et les retarder nous aussi. Donc là on voit, on est descendu nous, on a eu les consignes de tous y aller, donc on arrive tous en force. Et puis on va voir dans un second temps, c'est eux qui vont remonter avec leurs gros joueurs qui vont arriver aussi en soutien. Et donc là ils vont revenir, vous voyez, on a l'impression qu'ils s'en vont là. On peut se dire, bah oui, la vague bleue ou orange qui sont les LES qui sont avec nous aussi, nous aident à pousser. Et non, on voit qu'il y a une vague rouge qui revient de nouveau avec des T5. Donc là on va voir, et là cette vague là va nous repousser, va remonter, et ça va faire un peu un statu quo, hein. Il n'y a pas de victoire là sur cette zone de combat, elle est pas énorme, hein, la zone, hein. Je dirais, je sais pas, à vue d'œil il devait avoir 40 troupes engagées, 20 de chaque côté, peut-être 60 troupes engagées. Ouais, 60 troupes c'est plus proche de la réalité, c'est pas une très grosse zone de combat, mais en tout cas ça a été la première confrontation directe qu'on a eue sur Kalsha avec nos collègues, nos amis les Dots. Donc on va bien voir par la suite comment cette zone-là va évoluer. Mais en tout cas, ça va prendre plusieurs jours de toute façon, suite à l'ouverture de ces portes, pour vraiment structurer. Et là, de toute façon, on va rester en conflit permanent. Ça va être la guerre pendant les 27 jours qui restent sur le KVK, sur le K112. Et on sait qu'on va se faire attaquer de tous les côtés, comme nous, on va essayer de les attaquer, tous les serveurs, hein, qui voudront disputer la victoire, bien évidemment, de tous les côtés. Cette phase de combat-là, elle va durer une vingtaine de minutes, hein. Ça a été assez rapide. Je vous ai fait une nouvelle ellipse. On se voit, on se retrouve vers la fin du combat. On a toujours autant de troupes mobilisées. On est remonté un petit peu. C'est pour ça qu'il y a moins de dots face à nous, car les autres sont restés un peu plus bas. On est remonté un petit peu. On continue à combattre pour les diminuer, pour remplir leurs hôpitaux. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu là, juste le combat, diminuer l'adversaire, leur faire mal par le surnombre et les ralentir, excepté ça. Pour le moment là, il n'y a pas de stratégie autre sur cette zone-là, encore une fois, que celle-là. Pour en finir avec cette chronique du jour 22 et l'ouverture des portes pour notre K112, les ouvertures des portes de niveau 5, on se retrouve là 6 heures, un peu plus de 6 heures après l'ouverture des portes. Et donc on voit, on a continué notre avancée et à se battre sur cette zone-là, sur le flanc au sud, pour essayer de détruire tous les drapeaux et récupérer l'accès, une des portes des Dots et des Siam. Là, c'est celle des Siam. La forteresse, notre dernière forteresse, celle des LSR, a été construite. Donc on va pouvoir avoir un front bien uni et fini sur ce côté-là. Et donc on continue de poser des drapeaux pour se diriger vers la forteresse des Dots, qu'on essaiera par la suite de détruire. Bien évidemment, il n'y a pas d'autre stratégie que celle-là. On continue de raider les drapeaux, car en plus de les détruire, quand ils les remplissent, ce qui est le cas là, ça leur fait des morts, ça nous en fait aussi, mais pour le moment ils en ont plus que nous. Au nord, vous avez vu, les GLX, ils n'ont pas encore fini de poser leur forteresse, nous non plus, mais ça va se régler rapidement. Et vous voyez là au sud, on voit les AJLT qui ont collé, les LTAB qui ont aussi collé une forteresse, hein, et ils commencent à poser des drapeaux. Et cette porte-là, celle des FA, ils continuent de réussir à la tenir. Donc tant qu'ils la tiennent, de toute façon c'est une question de survie, comme je vous l'ai dit pour eux. S'ils la perdent, là ils vont perdre toute la zone. Donc il faut vraiment pour eux qu'ils la tiennent. Nous, notre risque qu'on a là qui est réel, c'est les LTAB du 1130 qui ont pris la porte là. Donc pour une raison que j'ignore, ils ferment même l'accès complètement avec des flags aux Dots. Donc ils veulent peut-être empêcher les Dots de venir là. Vous voyez, ils ont fermé cet accès. Je ne sais pas pourquoi ils ferment là, mais il y a forcément une raison. Mais en tout cas, les Dots ne pourront pas sortir de ce côté-là, sauf à poser une forteresse. C'est peut-être ça qui va se passer, on pose une forteresse.
Et les LTAB, donc du 1130, ont pris le passage là et ils vont très probablement remonter, faire du passe-muraille, vous voyez, tout le long là. Et on voit la petite troupe LTAB qui se dirige. Ils vont remonter au nord, faire du passe-muraille et donc sur la zone de Kalcha, vous voyez, là, juste là, ils vont poser leur flag et après ils vont prendre la porte juste à côté et venir avec nous pour en découdre, pour aider les Dots. Donc on va avoir le 1136 et le 1130 là face à nous dans très peu de temps. C'est juste une question d'heure avant qu'ils arrivent et qu'on ait un front uni. Donc faut vraiment qu'on se prépare bien là et qu'on arrive à bien consolider notre front, car la fin de journée et la journée de demain va être rude, et de toute façon tous les jours maintenant à venir, ça va être la guerre totale. C'est la fin de cette première vidéo sur l'ouverture des portes de niveau 5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Ça aide énormément le développement de la chaîne et ça motive à continuer les chroniques. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.